Les choses se passent dans ce monde. All you need is his presence. Tout ce dont tu as besoin, c'est de sa présence maintenant. The presence of God is what I call divine immunity. La présence de Dieu, c'est ce que j'appelle l'immunité divine. Amen. When you carry it, quand tu la portes, it is more than injection. C'est plus que l'injection. And do you know? Est-ce que vous savez that the blood of God, que le sang de Jésus, in you, en toi, because you carry his DNA, parce que tu as son ADN, has immune you, t'a immunisé, amen, from every disease, de toute forme de maladie. Amen. My God. Somebody say my God. Que quelqu'un dise mon Dieu. So they decided to bring the ark of God. Ils ont décidé de ramener. Whatever they took from you, qu'ils ont pris de toi, I stand under this anointing and I declare that it that it shall be restored back. Les Philistins n'ont pas pu gérer l'arche. Mesdames et messieurs, ils ne peuvent plus te gérer. Je vous le dis. Ils ne peuvent plus te gérer. Ils ont dit. Mais qu'ils continuent de dire. Mais Dieu a le dernier mot. Amen. Alléluia. So finally, donc finalement, they say we are going to return back to this owner. Ils ont dit nous allons le remettre à son propriétaire. But they say, et ben ils ont dit, we can't return it empty. Nous ne pouvons pas remettre cela vide. We must accompany with an offering. Nous devons accompagner ça d'une offrande. Even unbelievers know what offering can do. Même les non-croyants connaissent la puissance de l'offrande. That is restitution. Ça c'est la restitution. Someone say restitution. Quelqu'un dit restitution. But there are many Christians who have taken somebody's husband. Mais il y a plusieurs chrétiens qui ont pris le mari de quelqu'un. And they have never restituted. Et ils n'ont jamais restitué le mari d'autrui. For national peace. Pour la paix nationale. The original woman is crying. La véritable femme pleure. And you think you can enjoy that marriage. Et quand tu penses que tu peux te réjouir de ce mariage. And yet you come lift up holy hands. Et pourtant tu viens, tu lèves tes saintes mains. Shout alléluia. Et tu viens, alléluia. And you know what you have done. Et tu sais le coup que tu as fait. Today. Aujourd'hui. Once you begin to talk to a boy. Une fois que tu commences à parler avec un garçon. And you tell somebody. Et tu dis à quelqu'un. You go behind. Il ira derrière toi. And smash him. Et l'arracher. Dans l'église. And we want the presence of God. Et nous voulons la présence de Dieu. What do you do with the presence? Que fais-tu avec la présence de Dieu? Things that are done in the world. Les choses qu'on fait dans le monde. Have been transported into. Ont été transportées dans l'église. No holy reference. Plus de référence sainte. The church has become a nightclub. L'église est devenue une boîte de nuit. Everybody does what he wants. Tout le monde fait ce qu'il a envie de faire. Bobby Brown, Michael Jackson. Bobby Brown, Michael Jackson. What's the other name that died the other day? Prince. Prince. The church is no longer the church. L'église n'est plus l'église. The church is a place where if you enter. L'église est un lieu où si tu entres. Nobody will tell you God is here. Personne ne doit te dire Dieu est là. But we have become familiar, too familiar with the God of the church. Mais nous sommes devenus trop familiers avec le Dieu de l'Église. That to lie in the church. Que mentir dans l'Église. To destroy one another with lie. Détruire les uns les autres avec le. You have been exposed and you continue to lie. Tu as été exposé mais tu continues de mentir. There must be a
time in the life of somebody. Il doit avoir un temps dans la vie d'une personne. Where you need to take decision. Où tu dois prendre une décision. Especially when something has put you to shame. Spécialement quand quelque chose t'a honni à plusieurs reprises. Except if you are no longer ashamed. À moins que tu n'aies plus honte. Then in my place. Alors chez moi. The second person. Have used the water they used to wash the face of dog to wash his own face. On dit la personne a utilisé l'eau qu'on lave le visage du chien pour laver son propre visage. If you are come to the point, si tu arrives where you are no longer ashamed, où tu n'as plus honte of sin, du péché, then you have washed your face. Alors tu as with the same water they used to wash the face of a dog. On utilise pour laver le visage du chien. I'm sorry for that expression. Je suis désolé pour cette expression. But that's how I can express mais it better. C'est comme cela que je peux l'exprimer mieux. Because we are Africans. Parce que nous sommes des Africains. A dog will vomit. Un chien va vomir. And go back and lick what he has vomited. Et va retourner dans ses vomis. You are Christ. Tu es en Christ. But nothing has passed away from your life. Mais rien n'a dépassé ta vie. And you are happy. Et tu es content. How do you treat the presence of God? Comment traites-tu la présence de Dieu dans ta vie? And you won't break through. Et tu peux être percé. That's why you're getting break down. C'est pourquoi tu as une chute. Jesus hated iniquity. Jésus a haï l'iniquité. And he loved righteousness. Et il a aimé la justice. As God is Father. Et Dieu son Père. Has anointed him. La oint. With the oil of gladness. Avec une righteousness. C'est la justice. Stop gossiping and blaming people. Arrête de calomnier et de blâmer les gens. Live the kind of life they live. Vis le genre de vie qu'ils mènent. Be disciplined. Sois discipliné. Be decisive. Sois décisif. Be determined. Sois déterminé. And you will enjoy life. Et tu te réjouiras de la but vie. Those who are not living right, mais ceux qui ne vivent pas, once others are blessed, une fois que les autres they gossip. Ils calomnient. And you can't pay the price. Et tu ne peux pas payer le prix. There are two characters in the Bible. Il y a deux caractères dans la Bible. That I want to close this teaching with. Avec lesquels je vais clore cet enseignement. That will tell us exactly. Qui nous dira exactement. Whether we are treating the presence of God. Si nous traitons la présence de Dieu. In our life, right. Dans nos vies d'une manière correcte. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapter 6. Chapitre 6. 1 Samuel. 1 Samuel. I am dealing with Samuel this day. C'est comme si je traite avec Samuel. 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 How many Samuels are here? On a combien de Samuel dans la salle? Lift up your hand. Levez les mains. Where is brother Sam? Où est le frère Sam? Okay. Il n'est pas là. Okay, at least I know one. Au moins je connais un. Is he another Samuel? Est-ce qu'il y a un autre Samuel dans la salle? My son. Your son. Is he baptized? Est-ce qu'il est baptisé? Huh? Small baby. God bless him. Que Dieu le bénisse. For Samuel. Un Samuel. Glory to God. Gloire à Dieu. Are you with me? Est-ce que nous sommes ensemble? Yes, sir. Don't leave me. Faut pas me laisser. Don't leave me. Ne me laissez pas. We are together. Nous sommes ensemble. Hmm? Ou bien. Verse 1 and 2. Verset 1 et 2. Read quickly. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelaient les prêtres et les dévins, et il leur dit. Que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Quelle manière? Oui, quelle manière? Pour renvoyer en son lieu. À son lieu. Oui. Il y a un lieu. Oui. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel 7. They decided to send the ark back. Ils ont décidé de renvoyer l'arche. And the ark landed in the house of a man. Et l'arche a atterri dans la maison d'un homme. Chapter 7, verse 1
chapitre 7, verset 1, up to verse 2. Jusqu'au verset 2. Les gens de Kibja, Jéharim, vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ouais. Et il la conduisit dans la maison de Abinadab. Abinadab. Correct your mouth. Abinadab. Okay. Go ahead. Dans la maison d'Abinadab sur la colline. Et il consacre. Sous la colline. My God. This one I didn't see it. Le monsieur habitait où? Sur la colline. A city that is set upon the hill can be hide. Une ville qui est placée sur la colline peut-elle être cachée? Okay. Sur la colline, et il consacrait son fils Éliasar pour garder. Écoutez. Et il consacrait son fils Éliasar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était pas. Lord. Lord. Seigneur. Est renversé. L'ordre a été renversé. Abinadab. For him to consecrate his son called Eliezer. Pour qu'il puisse consacrer son fils avec Eliezer. Il devait être un sacrificateur. Yes. Follow me, gentlemen. Suivez-moi. He must be what? Il doit être quoi? Priest. To have consecrated his son. Pour consacrer son fils. Now look at it. Maintenant, regardez. The ark of God came to the house of Abinadab. L'arche de Dieu venait dans la maison d'Abinadab. But Abinadab, mais Abinadab refused to take responsibility. A refusé de prendre la responsabilité. And gave the responsibility, et remis la responsabilité to the son. À son fils. How do you treat the presence? Comment traites-tu la présence de Dieu? If you are the head of family, si tu es le chef de la famille, you have responsibility. Tu as une responsabilité. And he consecrated his son. Et il a consacré son fils. Hey boy, I don't have time for this. J'ai pas le temps pour cette arche. You take care of the arche. Prends soin de l'arche. I have better things to do. J'ai d'autres choses à faire. And the Bible said, the Bible dit, the ark of God. J'étais là-bas, hein? Oh, I was there. Je n'ai rien dit. I didn't say
Mais tu as entendu. But at least you listen. Tu les as pas dit non. You didn't say no. Arrêtez. Stop it. Tu es un complice. Tu es un complice. Pendant combien d'années l'arche est restée là-bas? Let's do the mathematics. On va faire les mathématiques. A year is 365. Une année c'est 365 jours. 365 days. 365 jours. Times 20. Multiplié par 20. Ça fait combien? 7300 jours. 300 days. And nothing happened in a day. Et rien ne s'est manifesté pendant un jour. The same arc, la même arche, that was to bless him, qui devait venir, did not bless him, ne l'a pas béni. Wow. How many weeks do we have in a year? Combien de semaines avons-nous dans une année? 52 semaines. Times multiplié 365. Par 365. Let us know how many weeks he wasted. On va compter le nombre de semaines qu'il a gaspillé. 52 fois 20. 1040 semaines. 1040 days. How many months in a year? Combien de mois dans l'année? 12. 12. Times 365. Multiplié par 365. Parfait. Amen. Ça fait combien? 240. How many hours do we have in a day? Combien d'heures avons-nous dans une journée? 20. 24 times 365 days. Multiplié par 365 jours. Tell me what is it? Ça fait combien? Then times it by 20. Et puis après tu multiplies par 20. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, you are not here on earth to consume oxygen. Tu n'es pas ici sur terre pour consommer l'oxygène. And give out carbon dioxide. Et puis tu rejettes le dioxyde de carbone. You are here for a purpose. Et là pour un objectif. Tell me, tell somebody. Aide-moi à quelqu'un. If God has brought you in better. Si Dieu t'a mis là, Michel. It's for a purpose. C'est pour un objectif. Jacob said. Jacob pouvait in dire. Genesis 28. Dans Genèse 20. God is here. Dieu est là. And I know it not. Et je ne le savais pas. He came to Bethel. Il est arrivé à Bethel. With tradition. Avec la tradition. Not knowing that God was there. Ne sachant pas que tu étais. If you don't know where you are, you will not treat the place good. Si tu ne connais pas là où tu es, tu ne vas pas bien traiter l'endroit. If a purpose of a thing is not known, abuse will be inevitable. Si l'objectif d'une chose n'est pas connu, l'abus sera inévitable. Many of you are abusing this church. Beaucoup d'entre vous abusez de cette église. Stop abusing Bethel. Arrêtez d'abuser le Bethel. And stop abusing the leaders. Et arrêtez d'abuser les leaders. Maintenant deux rois. Second. Deux rois. Second Samuel. Deux Samuel plutôt. There are two characters we want to compare. Il y a deux caractères qu'on veut faire ressortir. And then I ask you question. Et après, je vais vous poser des questions. Vous allez rapidement répondre et puis on va clore. Everybody has to say something. Chacun va dire quelque chose. When we come there. Là, ça va arriver aux questions. Don't worry, this is first Sunday. Ne vous inquiétez pas, ce premier dimanche. We had marriage. On a eu mariage. Mm-hmm. Bon, on peut me pardonner avec ça. Alice, you can forgive me with that. Amen. Amen. 2 Samuel chapter 6. 2 Samuel 6. Wow, somebody say wow. Wow. Let me tell you what happened here. Maintenant, je vais vous dire ce qui s'est passé ici. Before we read from verse 9. Avant de lire à partir du verset 9. The ark of God, l'arche de Dieu, has stayed 20 years and 7 months. A fait 20 ans, 7 mois. And David, et David, who knew, qui savait, what the presence of God can do, ce que la présence de Dieu peut faire, went
anything is not done in order, it's not in order. Si toute chose n'est pas faite dans l'ordre, ce n'est pas dans. Because God is the God of order. Parce que Dieu est le Dieu d'ordre. In 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Dans 1 Corinthiens 14 verset 14. He said, do everything decently and in order. Il fait toute chose décemment et en ordre. God does not operate where there is disorder. Dieu n'opère pas là où il y a le désordre. Pentecostal church is full of disorder. Les églises pentecôtistes sont remplies de désordre. Each time you want to bring order, chaque fois que tu veux ramener de l'ordre, their tradition will come up. La tradition va surgir. The ark was supposed to be carried by the priest. L'arche était supposée être portée par les sacrificateurs. And David went to take the ark. Et David est allé pour prendre l'arche. Abinadab. And Eliezer. The priest. Les sacrificateurs. Did not tell David. N'ont pas dit à David. That the ark. Que l'arche. Should not be carried by horse. Ne doit pas être portée par le cheval. And they allowed David to carry the ark. Et ils ont permis à David de prendre l'arche. With a horse. Sur un cheval. And as they were going. Et pendant qu'ils avançaient. A man. Un homme. Who think is Sabi Sabi. Qui pensait s'appeler Monsieur Sedou. Saw the ark was shaking. A vu l'arche en train de bouger. And he put his hand. Et il a voulu bloquer avec la main. To reposition the ark. Pour repositionner l'arche. And immediately. Et immédiatement. The man fell down. L'homme est tombé. Bam. Inertement. Tell your neighbor. Dis à ton voisin. You can't help. Tu ne peux pas aider Dieu. Self-existing God. Le Dieu qui existe par soi-même. Amen. If you need meat, he will not ask. S'il a besoin de la viande, il ne va pas te demander. For those of you who struggle to give your meat. Pour ceux d'entre vous qui luttent pour donner votre viande. If God need meat, si Dieu demande la viande, he will not ask. Il ne va pas te demander. He said 1,000 cattle on the hill. Il dit 1,000 béliers sur la montagne. If I need meat, I will not tell. The reason why God asks you to give your money for you to be blessed. La raison pour laquelle Dieu te demande de donner ton argent, c'est pour être béni. Et chaque fois que tu parles de l'argent, noise, le bruit. The man died. L'homme est mort. Hey, somebody say hey. David got afraid. David a eu peur. In the midst of dancing and song. Au milieu de la danse et des chants. Trumpet was blowing. La trompette résonnait. You can sing and dance. Tu peux chanter, danser. But live in sin. Mais vivre dans le péché. Righteousness is not in singing. La justice n'est pas dans les chants. It's to do the right thing. C'est de faire la bonne chose. And you see them sing. Et tu les vois chanter. They will cry when they are singing. Ils vont même jusqu'à pleurer. Crocodile tears. Les larmes de crocodile. It doesn't. It didn't enter here. Ça n'a même pas touché le cœur. And David saw the man die. Et David a vu l'homme mourir. He said, I don't want to die. Il dit, je veux pas mourir. Now look at David. Il dit, maintenant regardez David. Said, let's go and keep this thing somewhere. Il dit, allons garder ces choses quelque part. For him. Pour lui. The ark is a suicide bomb. L'arche c'est une bombe à retardement. Anywhere they take it, par contre, on va l'amener. The person will die. La personne so va mourir. So David said, let's take it to the house of Obed-Edom. Amenons-le chez Obed. Obed-Edom. If you want to kill him, si ça veut le tuer, let him kill him. Ça n'a pas le tuer. What man has done? Ce que les hommes ont fait. To destroy you. Pour te détruire. We give you promotion. I had a dream sometimes. J'ai eu un songe une fois. I saw three people. J'ai vu trois personnes. They were discussing about me. Ils étaient en train de débattre. What to do against me? Ce qu'ils devaient faire contre moi. How they would throw me out? Comment ils vont me chuter? So that I will suffer. Et je vais souffrir. I woke up from sleep. Je me suis levé du sommeil. I told my wife. J'ai dit à mon épouse. I said I saw so. And this is what they said. Et voici ce qu'ils ont dit. After 1 week, après une semaine, they executed what I saw. Ils ont exécuté ce que j'ai vu. They called me. Ils ont m'appelé. And pushed me et out. M'ont poussé. And I began to develop. Et j'ai commencé à me développer. Alléluia. 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 Look at verse 9. Regardons le verset 9. Look at verse 9. Le verset 9.
David was what? Afraid of the Lord. That day, and he said, how can the ark of the Lord come to me? So David would not move the ark of the Lord with him into the city of David, but David took it aside into the house of Obed-Edom, the Gittite. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il l'a conduit dans la maison de Obed-Edom de Gath. Ok, read verse 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Amen. Que Dieu nous bénisse. 20 years. 20 ans. The ark stayed in the house of a man. L'arche est restée dans la maison d'un autre homme. No blessing. Pas de bénédiction. 3 months alone. 3 mois seulement. The ark stayed in the house of a man. L'arche habitait dans la maison d'un autre homme. The man was blessed. L'homme était béni. And his family. Et toute sa famille. How do you treat the ark in your house? Comment traites-tu l'arche dans ta maison? We like to blame people for our responsibility. Nous aimons blâmer les autres pour nos responsabilités. What do you do with the presence of God? Qu'est-ce que tu fais de la présence de Dieu? Don't you know that your body is the temple of God? Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Christ? You can't defy the temple of God. Tu ne peux pas souiller le temple de Christ. And expect to be blessed. Et t'attendre à être béni. Examine yourself. Examine-toi. And know whether you are still in faith. Pour savoir si tu es encore dans la foi. Close your body. Close your seat. Ferme ta braquette. Tie your upper well. Attache bien ton pain. Something sweet can kill. Quelque chose de doux peut tuer. Something sweet can kill. Quelque chose de doux peut tuer. That's a time you need to look at yourself. Say, my age is getting old. Il y a un temps où tu vas te regarder. I'm getting old. Et tu dis, je suis en train d'arriver. I cannot continue to do open and close. Je ne peux pas continuer de faire ouvrir fermer avec les jeunes hommes. Maman. You're sitting open and close. Tu continues de faire ouvrir fermer. What will your children do? Les têtes d'enfants, ils vont faire quoi? You are the big sister, eh? Tu es la grande sœur, hein? There are small sisters looking at you. Il y a des petites sœurs qui te regardent. What legacy are you leaving for them? Quelle empreinte vas-tu laisser pour eux? Big brother. Grand frère. There are small brothers. Il y a des petits frères. What legacy are you leaving for them? Quelle empreinte vas-tu laisser pour eux? How do you treat the ark? Comment traites-tu l'arche? 3 months alone. 3 mois seulement. Can I tell you this? Est-ce que je peux vous dire ceci? Longevity. La longévité. Is not validity. Ce n'est pas la validité. It's not how long you have stayed in this church. Ce n'est pas la durée de temps que tu as mis dans cette église. What have you added to this church? Qu'est-ce que tu as ajouté à cette église? It's what you have added. C'est ce que tu there as are people who came today. Il y a des gens qui sont venus aujourd'hui. This church is like their property. Cette église est comme leur propriété, bien privée. And they are criticizing them. Et ils les critiquent. He tried to. He spoke in the Lord. For the work of God. Pour l'œuvre de Dieu. With your mouth. Avec ta bouche. You say somebody is working too much. Et quelqu'un travaille trop. And you are resting. Et toi tu te reposes. It's either you are Abinadab or you are Obed-Edom. Soit tu es Abinadab, soit tu es Obed-Edom. Abethel. There are many Abinadabs. Et il y a beaucoup d'Abinadab. They are seeing revival. Ils ont vu le réveil. They do everything about the pastor. Ils connaissent tout comme ils sont. They have become too familiar. Ils sont devenus trop familiers. They have become family. Qui est devenu une famille. The worst people that can minimize your anointing is your family. Les pires personnes qui peuvent minimiser ton anointing, c'est la famille. Because they sleep with it. Parce qu'ils dorment avec cela. They eat together with you. Ils mangent avec vous. Go out and see how I'm celebrated. Allez-y dehors, voyez comment je suis célébré.
You celebrate me. Vous me célébrez. But people are celebrating me. Mais les gens me célèbrent. And you are not the only children I have. Vous n'êtes pas les seuls enfants que j'ai. I am father of nations. Je suis père des nations. Gambia, Mali, Mali, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Sénégal. Sénégal. Plus d'autres children. Plus d'autres enfants. So don't allow familiarity to kill the presence of God in your life. Donc ne permets pas la familiarité de tuer la présence de Dieu dans ta vie. The same place. Le même lieu. Others were blessed. Où les autres sont bénis. Why are you not blessed? Pourquoi toi tu n'es pas béni? Now Abraham Lincoln said something. Maintenant Abraham Lincoln a dit quelque chose. He said that every adult. Il dit tout adulte. At the age of 40. À l'âge de 40 ans. Is responsible for how his face looks. Il est responsable du rayonnement de son visage. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. It's every adult at the age of 40. You are responsible the way your face looks. Tu es responsable du rayonnement de ton visage. It's a responsibility to seek God. C'est une responsabilité de stop floating, stop floating. Arrête de flotter. Every week you're bad. Every week you're not stable. Tu n'es pas stable. By far we call you say hey. By far va t'appeler, tu vas dire hey. Pentecostal people don't say hey. Les Pentecostistes t'appellent, tu dis hey. With your mouth, the same mouth. Avec ta bouche. You are saying yes and no at the same time. Tu dis oui et non en même temps. Say yes and let your yes be yes. Dis oui et que ton oui soit oui. Say no and let your no be no. Et que ton non soit non. Matthew chapter 5 and 37. Matthew, let your okay. Yes be yes. Que ton oui soit oui. Let your que no be no. Soit non. That is Christianity. C'est ça la that is maturity. C'est ça la maturité. But you live a life of compromise. Mais tu vis de compromis. Yes. Oui. No. No. Where are you? Tu es où? Oh yes. Oh oui. Oh no. Oh non. Now church. Maintenant église. Let's just discuss and close. Bon, on va discuter et puis on va. Tell me, say, let's discuss and close. Dis à ton voisin, on va faire une discussion et puis on va. Let us draw a contrast. Tirons un contraste. Between. En bas. Abinadab. Abinadab. And Obed. Obed et Dan. To your own understanding. À ta propre compréhension. What do you think? Qu'est-ce que tu penses? That made Abinadab for 20 years. Qui a fait en sorte que Abinadab pendant 20 ans. Did not experience the power of the ark. N'expérimente pas la puissance de l'arche. Please, I want to increase my knowledge. S'il vous plaît, je vais accroître ma connaissance. That's why I want you to talk. C'est pourquoi j'aimerais que vous participiez. Want a feedback. Je veux un retour. If you have something to, we need to have more than 30 answers. On doit avoir plus de 30 réponses. Discussion. Le débat est ouvert. Let me sit down. Et nous on va s'asseoir. Discussion. Le débat. Lift your hands and tell me what you understood. Faut lever ta main pour me dire ce que tu as compris. What could be that element that contributed to Abinadab staying with the ark of God for 20 years and there was no visible place. Quel est cet élément qui a contribué à ce que Abinadab qui est resté avec 20 ans, avec l'âge, n'a pas eu une seule bénédiction? Is it also possible in our time? Est-ce possible de nos jours? That somebody can be in the midst of happening and nothing is happening to him or through him. Ou quelqu'un peut être au milieu d'une manifestation, rien ne se manifeste pour lui ou bien au travers de lui. Why? Pourquoi? Thank you. Merci. For taking the initiative. Pour avoir pris l'initiative. Applaudissez pour lui. When the history of your nation will be written. Quand l'histoire de ta nation sera écrite. Don't be on the clapping side. Ne sois pas du côté des acclamateurs. Mark the lack of reverence. A qui? To whom? To God. Because he didn't see the ark. Parce qu'il n'a pas vu l'arche. As God's presence. Comme étant la présence. He saw it. Il a vu l'arche. As nothing. Comme des morceaux de bois. That's good. Please be free, be free, be free. Soyez libre, s'il vous plaît. St-
Stand up and say something. Mark Day, il n'est pas consacré, il est pasteur. Il va te dire, je suis pas pasteur, pourquoi consacré? Pour eux, for them, la consécration c'est pour les pasteurs. Consecration is only for pastors. A man that is consecrated, un homme qui est consacré, is a man that is separated, c'est un homme qui est séparé, living for God, vivant que pour Dieu, pursuing God, poursuivant Dieu. You can't change his vision. Tu peux pas changer sa vision. He's consecrated. Il est consacré. Whether you pour him on his head or not. Que tu verses lui sur sa tête ou pas. Talk with me, please. Compliment. L'activité a tué sa sensibilité. He has no time for Bible school. Il n'avait pas le temps pour l'étude biblique. Bible study champion, école de dimanche. Sunday school. L'étude de vendredi. And the Friday. Il se positionne dimanche. He positioned himself on Sunday. He's waiting for declaration. Il attend les déclarations. Laissez-moi. Receive. No personal consecration. Pas de no personal commitment. Pas d'engagement. No personal encounter. Pas de rencontre personnelle avec Dieu. How do you treat the presence of God? Comment fais-tu la présence de Dieu? Talk with me. Talk with me. Yes. Manque de responsabilité. Macha takuka ede o a esupaya. Manque de responsabilité. Lack of responsibility. Il est irresponsable. Irresponsible. If you're not responsible, si tu n'es pas responsable, the opposite automatically becomes irresponsable. Comment tu deviens irresponsable? Il y a un I derrière. There is an I behind. Your wife is not a factory baby factory producer. Ta femme n'est pas une productrice de bébé. Every month she's pregnant. Chaque mois elle est enceinte. And you're not taking care of it. Et toi tu prends même pas soin de l'enfant. Then you're irresponsible. Alors là tu es irresponsable. Abinadab did not take responsibility to take care of the child. La responsabilité de prendre soin. He consecrated the son. Il a consacré son fils. To take care of what he's supposed to take care of. De ce qui était supposé prendre soin. Vous qui comprenez les choses spirituelles, dirige-nous dans la prière. Lead us in prayer. On est là, on va dire amen. Sir. We are here, we are just going to say amen. And they pray in Latin. Et il prie en latin. Dominus sucu pusu suba. Oya uramu sobani. Ah, I will say amen. Et après, ils vont comprendre avec un amen. Did you understand Latin? Tu as compris le latin? Did you know what I said? Est-ce que tu as compris alors ce que j'ai dit? Oye kuramu, nanye kurami, nanye kurami, nanye kurami. You know what I said? Est-ce que vous pouvez comprendre? If I pray with language, you don't understand. Si je prie avec un langage que tu ne comprends pas. And you say amen. Et toi, tu dis amen. You don't know what I said. Tu ne sais même pas ce que j'ai dit. Responsibility will tell you what are you saying. Les responsabilités say it so that I can hear it. Faut bien dire comme ça, je vais bien comprendre. Okay, another thing. Okay. More than that. Un autre point. Manque de maturité. Hey, yeah. Lack of maturity. Il n'est pas mûr. He's not mature. He's not right. Sa bouche. The mouth. Et la bouche n'est pas mûre. It's a basket mouth. Piroquet. Parrot. Chicken poulet. Chicken poulet. Kokosa from Congo. Kokosa du Congo. Kokosa from where? Le Kokosa d'où? Ah? Bambati c'est où? Le Bambato c'est où? Oh, Bambato. Amibon c'est où? Amibon c'est où? There are Christians who cannot close their mouth. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas fermer leur bouche. Amen. Their mouth is leaking. Leur bouche coule. And their miracle is leaking. Et le miracle aussi coule. Amen. 20 years in the Lord. 20 ans dans le Seigneur. You can't close your mouth. Tu ne peux pas fermer ta bouche. You are not mature. Tu n'es pas mature. You are Abinadab. Tu es Abinadab. Yes. Oui. Son comportement en sous-estimant. Comportement en sous-estimant. Sous-estimant. Despising the presence of God. Mépriser la présence de Dieu.
L'esprit est en train de parler. L'esprit est en train de parler. Tu gores dans ta bouche. Tu gores dans ta bouche. Et puis tu casses ça. Casses ça. Louange d'adoration a commencé, tu es venu à l'état. Praise and worship started. Tu connais que aide-moi à grandir, que tu es porté, fais des bruits. You know that your high key is making noise. Et bien, tu vas déranger. And that's why you will disturb. Que tout le monde connaît que so tu es là. So that everyone will know you are there. Arrêtez-vous, louange. Stop your praise. Madame Rento. Madame Rento. Manque de référence. Lack of reverence. Not mature. If you came late, just do your leg like. Si tu es venu à l'état, faut juste marcher sur le pied des pieds. Et puis tu te caches avant d'entrer. But you're coming with alacrity. Mais tu viens avec toute audace. Force. They will not have around. You are not mature. They're not mature. You have been adept. Tu as been adept. C'est nous qui parlons, hein? We are the ones talking. Donc si on rentre aujourd'hui, on ne va pas dire. So if we go back there, don't say we'll have to take our time. We are the ones talking. Dis-moi la vérité. Marc, lack of wisdom. Tu as tapé fort. You hit strong. Marc, de quoi? Lack of what? James, c'est à toi, verse 5. Il fait quoi là? Il dit quelque chose. Il fait quoi? Il demande. Wisdom is knowing what to do, la sagesse est savoir ce qu'il faut faire, to do it, comment le faire, and how to do it et well. Comment le faire bien. You can have knowledge. Tu peux avoir la connaissance. Go to school. Aller à l'école. Have intellectual knowledge. Avoir le bagage intellectuel. But you have wisdom. Mais tu dois avoir la sagesse. You talk anyhow. Tu parles n'importe comment. Small boys will slap you. Les petits garçons vont te gifler. Even with your certificate. Même avec tes diplômes. Oui. L'ignorance et le manque de respect. Mon Dieu. Ignorance and lack of respect. How can presence of God be in your house and you ignore it? Comment est-ce que la présence de Dieu peut être chez toi et tu l'ignores? There are people, angels will come visiting in their home. Il y a des gens, les anges vont venir visiter le chez eux. They will tell the angel, please excuse me, I want to sleep. Ils vont dire, ah, s'il te plaît, excuse-moi, je veux dormir. You didn't ask it, did you come with a message? Tu ne lui demandes même pas, est-ce que tu veux venir avec people are praying to see angels. Les gens prient pour voir les anges. An angel came to you, et l'ange vient chez toi. S'il vous plaît. Tu sais, please, please. C'est l'heure de dormir. It's my time to sleep. Ignorance. L'ignorance. Ignorance. L'ignorance. Okay, let's have 10 more. On aura 10 de plus. Ajoutez 10. La négligence. Négligence. Malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu. What will give that God the one of God with negligence? Jeremiah chapter 48 verse 10. Jérémie 48 10. How do you neglect the house of God? Comment négliges-tu la maison de Dieu? And each time there's something to do for God. Et chaque fois qu'il y a quelque chose à faire pour Dieu. You will see people reacting. Tu vas voir la réaction des gens. Go to the mosque. Allez à la mosquée. One person alone. Une seule personne. Can do whatever they want to do. Peut faire ce qu'il veut faire. But when you come to church. Mais quand tu arrives à l'église. We ignore what they are supposed to do. On ignore ce qu'on est supposé faire. Because we don't respect God. Parce que nous ne respectons pas Dieu. Voilà. Ok. Je vais les garçons maintenant. I want men now. Hein? Manque de discernement. Lack of discernment. Lack of what? Discernment. Discernment simply knows. Le discernement veut simplement dire. Knowing the good. Connaître le bien. And the bad. Et le mal. Attends, passiveness. Passiveness. La passivité. Passivité. La passivité. On est bien, on vient à l'église seulement. We are just coming to the church. Quand on vient à l'église. We are just coming to the church. Once the service finished, it's one. Oh yeah. No commitment. Pas d'engagement. You don't pay that. You don't give off. Tu payes pas you don't have good words for the church. Tu n'as pas de bonnes paroles. Tu payes no, pas de bonnes. Why are we going to bless you? Si le mari n'est pas de l'argent pour donner à sa femme. If the husband don't have money to give to his wife. Have one bon parole. And unless he have good words. Tu parles pas bien. You don't talk with us. Tu ne donnes pas l'argent. You don't give your money. On va faire quoi? What are we going to do? Dis à ton prochain, on va faire quoi? Say to your neighbor, what are we going to do?
Cinq personnes. Familiarité qui a mené la famille ensemble. Familiarity that brought the family together. On respecte plus la famille. We don't respect anymore in family. Dès que c'est après-midi, once it's afternoon, nous tous sommes dans le même bois. All of us are eating the same pan, plate. On connaît plus qui est qui. We don't know who is who now. The children of this world are wiser than the children of this kingdom. Les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants du royaume. Luke chapter 16, verse 8. Luke 16, 8. I was in the plane going to Mali. J'étais dans l'avion en destination du Mali. And I removed my seketo. Et j'ai enlevé mon chapeau. I put it here. Et j'ai mis ça dans la poche. And by the time the plane went to get down. Et le temps que l'avion allait atterrir. And I took it. J'ai refait sortir. And I put my hand. J'ai remis sur ma tête. Almost half of the plane. La moitié de l'avion. Got off. Se sont levés. Mon Seigneur. My Lord. Je ne connais pas que tu es là. I never knew you are. Mon Seigneur. My Lord. Mon Seigneur. My Lord. If it were Pentecostal people. Si c'était les Pentecôtistes. They will come and knock my head. Come. Quand tu fais quoi dans l'avion? What are you doing in the plane? Familiarité. Are you understand? We don't know the honor that God has given to us. On ne connaît pas l'honneur que Dieu nous a donné. And some people are still talking against what God has given to us as a blessing. Et certains continuent de parler contre ce que Dieu nous a donné comme étant bénédiction. What you ignore will ignore you. Ce que tu ignores va t'ignorer aussi. What you don't know can kill you. Ce que tu ne connais pas peut te tuer. Okay, two people more. Okay, deux personnes de plus. Okay. Okay. Il a vu. He's blind. Isaiah chapter 42. Esaïe 42. From verse 18 to 20. Du verset 18 à 22. In verse 19, say, who's blind like a beaucoup de choses, mais ne comprenant rien. It's not every eye that is open that can see. C'est pas tous les yeux qui sont ouverts qui peuvent voir. Some people's eyes are open, but they can't see the color. Certains, les yeux sont ouverts, mais ils ne connaissent pas la couleur de ma veste. Ask somebody now, what is the color of the tie? Demande à quelqu'un, c'est quoi la couleur de la cravate? Say rose. Il va te dire pink. And my name is not rose. Et moi, je m'appelle pas pink. Okay, one person more. Une personne de plus. Une personne. Oh. Okay. Wrong foundation. Wrong what? Mauvais. Psalm 11 verse 3 says, if the foundation be destroyed, Psalm 11 verse 3, si la fondation est détruite, what will the righteous do? Que fera le juste? Many people came to Christianity. Beaucoup viennent dans la chrétienté. With miracles. Avec les miracles. They don't have the word of God. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Miracle can cease. Le miracle peut s'arrêter. But the word of God. Mais la parole de Dieu. Is set up forever. Elle est établie à jamais. Go for the word of God. Va pour la parole Stop de Dieu. Stop running behind miracles. Arrête de courir derrière les miracles. If you have the word of God. Si tu as la parole de Dieu. You will be a miracle producer. Tu seras un producteur de miracles. No good foundation. Pas de bonne fondation. Okay, last year. Okay, le dernier. Connaissance, hein? Lack of knowledge. Connaissance. Il connaît pas. Il a un nom. Même à 40. Il est à 40. A fool at 40. Un fou à 40. Il s'est fou forever. Un fou à jamais. Now, the other man, what is his name? Maintenant, l'autre monsieur, il s'appelle comment? Obed. Obed, avec Edom. Avec Edom. If you go to the book of Chronicles, si vous allez dans le livre des Chroniques, you will find out vous allez découvrir that when David brought the ark, que lorsque David a apporté l'arc, he appointed Obed-Edom, il a désigné Obed-Edom as one of the praise and worship leaders, comme l'un des leaders de louange et adoration, worship God daily, qui va adorer Dieu so tous the les secret jours. Of this man, dans le secret de cet homme, c'était l'adoration. That was why it was blessed. C'est pourquoi il était béni.
He worships God. Il adorait Dieu. He reverenced God. Il révérait Dieu. Obed-Edom did not do any sacrifice. Obed-Edom n'a fait aucun sacrifice. To be blessed. Pour être béni. But he maximized the presence of God. Mais il a maximisé sur la présence de Dieu. In his house. Dans sa maison. To be blessed. Pour être béni. What do you do with the presence of God? Que fais-tu avec la présence de Dieu dans ta vie? This week. Cette semaine. Meditate on this word. Médite sur cette parole. And tell yourself the truth. Et dis-toi la vérité. Can we stand? Est-ce qu'on peut se lever? Il y a tellement de négligence. Le ciel et l'enfer, c'est réel. And you can determine your way. Et puis tu peux déterminer là où tu iras. This is for Sunday. C'est le premier dimanche. I thought the message would be received. J'ai pensé que le message devait être recevé. 300 millions. 300 millions. What you have heard today? Est-ce que vous avez entendu aujourd'hui? It's more than 30 million francs. C'est plus que 30 millions de francs CFA. Go and check your life. Allez y vérifier votre vie. How do you treat the ark? Comment est-ce que vous traitez l'arche? Just lift the hands. Élevons les mains. Say, Father. Et dis, Père. I've heard your word. J'ai entendu ta parole. Help me to amend my life. Aide-moi à amender ma vie. Help me to be conscious of your presence. Aide-moi à être conscient de ta présence. In my life. Dans ma vie. Give me the grace to do what I'm supposed to. Donne-moi la grâce de faire ce que je suis supposé faire. If there are things in my life. S'il y a des choses dans ma vie. That does not glorify. Qui ne te glorifie pas. Lord, help me. Père, aide-moi. By your mercy. Par ta miséricorde. To remove them. À les enlever. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I thank you. Je te remercie. Because you're a God of mercy. Parce que tu es un Dieu de miséricorde. Let your mercy prevail. Que ta miséricorde est dominante dans ma vie. From today. À partir d'aujourd'hui. Thank you, Father. Merci, Père. For blessing me. Pour m'avoir béni. Lift your hands up. Say, Father. Et lève ta main, dis, Père. Every blessing. Toute bénédiction. That my attitude. Que mon attitude. Towards your presence. Envers ta présence. Has hindered. A caché. Father, I pray. Père, je prie. For total restoration. In this month, en ce mois, in the name of Jesus, au nom de Jésus, dear Father, cher Père, help me, aide-moi, not to be the person, à ne pas être la personne, that with my mouth, qui avec ma bouche, we destroy this church, va détruire cette église, from today, à compter d'aujourd'hui, help me to say good things, aide-moi des bonnes choses, concerning your house, concernant ta maison, in the name of Jesus, au nom de Jésus, thank you Lord, merci Père, separate me, sépare-moi, from those. From those that have formed party, qui ont fait des parties, and they are talking against this church, et qui parlent contre cette église, separate me from them, sépare-moi avec eux, and give me peace, et donne-moi la paix, from today, à compter d'aujourd'hui. Thank you, Father. Merci, Père. Give me rest. Donne-moi le repos. Bless me. Bénis-moi. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Give the Lord a big hand. Acclame pour l'Éternel.